Juste à côté, on retrouve Kalakiva Modric. Les coups francs à suivre. DDSMP. C'est Piana Mondindi qui enchaîne le deuxième but de Derrick Mwakyembe. Bien placé dans la lucarne. La Renaissance est par terre et DSMP marque le deuxième but. Le deuxième but du directeur Mwakyembe, surtout sur son coup de pied arrêté. Piana Mondindi qui allait bien négocier ce ballon. Il obtient cette faute et il va tout simplement la finaliser de plus belle de manière et mettre l'équipe de la Renaissance du Congo au sol. Quel tir! Il a vraiment visé la lucarne, Piana Mondindi. C'est ce Piana Mondindi qui a évolué du côté du Saint-Éloi Loupopo, qui pouvait faire énormément de différences sur certaines actions, sur des coups parfois aussi sur des ballons aériens. Et là, il permet à l'équipe du directeur Motema permet de souffler cette équipe chère au président Paul Kassembélé, qui avec le temps a commencé à reprendre de sa vie, de sa logique dans le jeu, et aussi toute la logique du jeu respectée du coach Djéné Toumba. Et derrière, le nouvel entrant qui vient apporter ses buts du break et permet à l'équipe du directeur Motema Pembe de se reposer.